Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 12 au 18 décembre 2022. On va commencer avec Vœux de nos anges de Debbie Malone. Donc voilà, alors allons-y. Quel va être votre premier message avec Vœux de nos anges pour la semaine du 12 au 18 décembre 2022, les béliers? Bon, ben, j'en ai trois. Je vais prendre les trois. En reposant, elles sont tombées. Donc, ça doit être celle-là. On vous dit, demande la réponse à ton moi intérieur, les béliers. On vous dit, ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes. Crois en ta force intérieure. C'est beau. On vous dit de croire en votre force intérieure. De demander la réponse à ton moi intérieur, et on vous dit ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes. Donc voilà pour les premiers messages, c'est assez clair je pense, hein. J'ai pas besoin de, voilà, vous êtes dans une situation compliquée, vous êtes confronté à des obstacles et vous allez les surmonter. Donc on vous dit de croire en votre force intérieure, hein. En votre courage. Donc, on va prendre le petit oracle des confessions intimes de Michel-Ange Tarot. Donc, vous pouvez les trouver sur Etsy, les oracles et les tarots de Michel-Ange Tarot. Donc, allons-y. Avec ce petit oracle, je vais prendre trois messages pour vous, les béliers. On vous dit, souviens-toi que tout est possible en amour. Donc voilà, vous allez surmonter quelque chose là. Hein. Tout est possible, on vous dit en amour. Hein. On vous dit la vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Donc vous avez vécu des leçons et vous allez enfin comprendre en fait quelles sont ces leçons en fait. Il y a une compréhension là de la vie également. Par rapport à vos histoires aussi, hein, que vous avez pu vivre hein, avec vos partenaires ou un partenaire, tout simplement. Ce n'est pas forcément plusieurs, hein, ça peut être simplement un. Alors, allons-y. Et nous allons finir avec... Mon ancienne relation fait partie du passé. Alors, peut-être que c'est vous. Voilà, votre ancienne relation fait enfin partie du passé. Ou c'est votre autre, hein. En tout cas, en amour, tout est possible. Alors, et on vous dit, un nouvel amour est possible également. C'est vrai qu'on peut croire, en fait, hein, qu'on peut avoir simplement un amour dans sa vie. Et finalement, vous allez comprendre que, non, on peut avoir plusieurs, voilà. On peut vivre plusieurs histoires d'amour dans sa vie. Et en dos, nous avons, aimer, c'est respecter les choix de l'autre. Donc là, on vous invite à respecter vos choix et surtout à faire respecter vos choix également. Ok, pour moi vous allez avancer hein, avec quelqu'un petit à petit hein, vers un objectif commun, là on vous dit, et on parle de surprises hein, qui arrivent dans votre vie, les béliers. On va prendre l'oracle de Maria Ange d'Amour, d'ailleurs j'ai commandé l'extension. Donc Maria Ange d'Amour qui a deux chaînes YouTube, hein. Donc si vous souhaitez son oracle. Alors, allons-y. Pour vous, les béliers, on a un premier message. On parle de manque, de nostalgie. Peut-être à une ancienne relation qui fait partie du passé. Et puis finalement, hein, voilà, on ravive aussi la flamme. Hein. Alors, on va aller voir ça. On parle d'attente, de lenteur. Pour moi, c'est le temps, en fait. Hein. Le temps, en fait, vous avez, pour moi, vous avez respecté les choix d'une autre personne, en fait, hein, par amour. Vous avez laissé cette personne partir. Ou vous allez laisser cette personne partir. Hein. J'ai une personne qui fait des cauchemars, qui a des insomnies. Je pense qu'il y a une personne qui ne comprend pas, en fait. Femme fausse.
Réalisation d'un rêve. Je crois que vous laissez en fait partir. Il y a un rêve en fait que vous voulez réaliser, vous. Attention aux personnes fausses et toxiques autour de vous quand même. Alors, on va aller voir ça. À la coupe, nous avons les souvenirs. Passer un beau moment ensemble. J'ai une personne qui veut passer un bon moment, qui est nostalgique, qui est dans le manque en ce moment. On parle d'amitié, de rencontre. On parle qu'un homme va vous aider. Et on parle d'une guérison. On vous dit, ne t'inquiète pas. Tu es en guérison, on vous dit. Donc, inspire, expire. Et on a encore la lenteur là. Et alors, peut-être que vous êtes en attente de trouver cet amour ou d'avoir cet amour dans votre vie. Ou un nouvel amour. Et on vous dit que ça arrive. Hein, et vous allez avoir de grandes émotions. Hein. Ok, tirage en 9. C'est marrant, il y a l'attente, la lenteur là. Alors j'ai envie de dire lâcher prise. Parce que comme on a l'attente et la lenteur, on vous dit que ça peut être très très long. Donc ça peut être assez long. Donc vivez votre vie, réalisez. Il y a un rêve que vous devez réaliser là. Il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Alors allez-y. Mettez toute cette énergie plutôt dans un projet, ça peut être personnel, ça peut être professionnel, c'est voilà, voyez, mais voilà, au lieu d'être dans l'attente et de gaspiller voilà, votre énergie inutilement, j'ai envie de dire, voilà, allez-y, réalisez ce rêve. Hein. Et en dos, nous avons un changement de vie, une transformation pour vous. Oh, ben, il y a des retrouvailles. On s'est tourné le dos, il y a des retrouvailles. Ou en tout cas, il y a une union. Oh, il y a le manque et la... Pour moi, c'est des retrouvailles, là. Alors, ouais. Ok. Attention à une femme toxique, là, elle revient. Elle revient, cette femme toxique. Alors, on commence. L'enfant intérieur, il y a un rêve. Pour moi, c'est ce rêve. C'est cet enfant-là. C'est un rêve d'enfant que vous voulez réaliser. Ou en tout cas, on parle de votre enfant intérieur là qui se réveille. On parle de souvenirs. Bah oui, vous êtes dans les souvenirs de votre enfance. Alors, est-ce que c'est retrouver quelqu'un de votre enfance aussi? C'est pas forcément un amoureux, c'est peut-être... ouais, il y a peut-être ça aussi. Hein. En tout cas, on vous dit que Jésus vous dit, on te guide vers la bonne personne. Les anges vous envoient de l'amour, hein, beaucoup d'amour, hein, je sens. Il y a des obstacles, mais on vous dit, votre force intérieure peut et va déplacer des montagnes. C'est assez soudain, vous allez rencontrer des obstacles, ça va être un défi pour vous. Par rapport à votre entourage, alors pour moi, c'est une histoire de votre enfance. Hein. Les béliers, on vous dit que tu es en guérison. Ne t'inquiète pas, inspire, expire. Il s'est passé quelque chose dans votre enfance hein, qui vous a blessé, qui vous a peut-être même meurtri. Hein. J'entends, pour certains, hein, c'est assez lourd. Hein. Et vous allez guérir, vous inquiétez pas. Et là, pour moi, vous travaillez à réaliser un rêve. Un homme va vous aider et on vous dit, eh ben peut-être que c'est vous aider en fait à utiliser votre don ou votre talent, tout simplement. Mais j'ai vraiment cette notion de don et de talent. Là, on n'est pas forcément amour. Hein. En tout cas, vous allez... c'est un défi pour vous. Pour moi, c'est un défi. C'est soudainement là, vous voulez le relever ce défi. Une histoire de communication aussi, hein, peut-être, voilà. Alors, obstacle, défi. Alors attention, c'est peut-être qu'on vous espionne. J'ai quelqu'un qui se cache. Les souvenirs, hein, c'est quoi?
C'est un ancien amour, hein, j'ai l'impression. Ouais, la communication va être fluide. En fait, c'est quelqu'un qui va vous aider en fait à communiquer, à mieux communiquer peut-être. J'ai quelqu'un qui va être froid avec vous. C'est peut-être ça l'obstacle, le défi en fait, hein. Ouais, oh, c'est. Alors, j'ai quelqu'un qui. On parle d'une femme fausse, toxique, qui vous observe, qui vous espionne, là. C'est elle qui crée des obstacles, hein. C'est elle qui crée la situation froide et gelée avec votre autre, pour moi. Et je pense que vous avez le don, vous ressentez les choses, vous savez. Et vous allez déplacer des montagnes, malgré qu'elle est là, malgré qu'elle bloque tout. Ok, j'aimerais bien un autre message là-dessus. Il y a un renouveau ou un nouvel amour qui arrive dans votre vie, les béliers là. Ouais. On parle de rencontre. Alors, un dernier petit message. J'ai quelqu'un qui va vous aider en fait à. Ouais, il y a du désir, de la passion. Ouais. Il y a un changement de vie. Bon, ça va se réchauffer, mais oui, c'est votre rêve là que vous voulez réaliser. On me dit que voilà, il faut utiliser votre énergie pour quelque chose là. C'est passer de beaux moments en fait avec. Vous rêvez en fait de passer voilà, des moments ensemble, des beaux moments avec cette personne. Peut-être même de repartir en vacances, de ressentir à nouveau ces grands. Vous avez eu de grandes émotions avec cette personne. Il y a eu des désaccords, des conflits là, mais j'ai l'impression que c'est cette personne là, cette femme fausse toxique là. Elle vous guide, mais elle vous dit bien que cette personne est nostalgique et vous lui manquez, hein. Et de toute façon, l'archange Michael va couper, hein, les liens toxiques, hein. Donc, même. Tout ce qui est masque, les personnes qui portent les masques vont tomber. Et on parle bien d'âme sœur et de flamme jumelle là. On parle toujours de retour pour moi là. On va voir. Je vais juste reprendre la dernière. Oui, quelqu'un va vous aider en fait à communiquer, hein, avec votre autre. Hein. Quelqu'un va vous aider en fait pour que ça soit fluide, hein, pour que vous puissiez vous retrouver. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous aider là. Mais il y a bien une personne toxique fausse. Alors peut-être que vous allez passer, peut-être que votre hôte va passer par cette personne pour communiquer avec vous, justement. Parce qu'en fait, vous êtes espionné. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un, oui. Où il y a cet ami, hein, on parle d'un homme, hein. Alors que vous soyez une femme ou un homme, oui, vous pourriez en fait, cet ami pourrait, voilà, parler, hein, de vous à votre autre, ou en tout cas pourrait vous transmettre des messages de votre part, hein, lui dire, hein, ouais, et on parle de communication là. On a envie voilà, de communiquer ses sentiments, hein, envers l'autre, son amour, mais j'ai quelqu'un qui va vous aider à vous retrouver. Alors, à la coupe. Alors, tarot des chats noirs. Hein. Ouais, on a les souvenirs. On a les souvenirs avec le 7 de coupe. C'est vraiment cette nostalgie. On a envie d'une nouvelle chance. Mais j'ai quelqu'un qui porte des masques. Il va falloir qu'il aille au-delà des masques, hein,
pour pouvoir faire ce premier pas, j'entends. Il y a les peurs et les angoisses quand même. J'ai une personne qui se protège et pourtant elle va renaître. Elle réfléchit beaucoup, elle cherche une solution et elle va trouver cette solution. On vous espionne, attention, hein, on vous dit surtout, hein, prenez garde, et là on fait le choix de la réconciliation. Mais j'ai quelqu'un qui vous espionne, attention. Alors allons-y, pour vous les béliers. On parle de conflits, toujours de disputes. Il y a eu des disputes, des conflits. Vous vous êtes tourné le dos. Vous vous êtes fait du mal, hein, l'un comme l'autre, hein. On parle de, pour moi, on parle de, ouais, d'angoisse là, d'angoisse, hein. Et qui ont amené en fait à la rupture entre vous. Et là, il y a une aide. Il y a une main qui va vous être tendue, tout simplement pour faire la lumière, comprendre la situation. Et aller, hein, aller vers ce grand bonheur, en fait, pour pouvoir vous retrouver, vraiment. Ok, c'est très bien, c'est chouette. Donc, vous allez avoir une aide, là, c'est bien. Ouais. Ok, on progresse, hein. On progresse, on utilise ses talents, ses dons. On n'a pas peur de quitter une situation stable, là, pour aller de l'avant, justement. J'ai quelqu'un qui est prêt à tout laisser derrière lui et prendre le strict minimum. Ouais. J'ai quelqu'un qui veut entreprendre et qui va se mettre en action, là vraiment. Et on parle de réconciliation, hein. On vous observe dans l'entourage. Attention, hein, on a cette femme fausse, hein, toxique, hein. On parle de changement. Il va falloir se protéger là. Ouais. Et on parle d'intuition. De protection. Pour moi, c'est la protection là. Je recouvrirai. Hein. Moi, j'ai la protection là. Pour vous deux. Hein, lorsque vous allez vous réconcilier. Je vais recouvrir. En tout cas, tous vos efforts vont être récompensés, les béliers, là. Pour moi, vous avez accepté, en fait, que cette personne s'en aille. Ça demandait beaucoup d'efforts pour moi. Et du coup, vous allez être récompensés. Cette personne qui vous observe, ouais, elle vous observe bien, c'est vous, hein. Ouais, elle vous observe, elle est en train de voir que vos souhaits sont réalisés, que vous allez vers votre grand bonheur, hein. Qu'il y a des grandes satisfactions dans votre vie. Alors attention, ça n'a pas l'air de lui plaire à cette personne, hein. Changement. Ouais. C'est la fin de la tristesse. On fait le choix, hein, d'aller vers ce désir de d'être ensemble là pour moi. C'est la fin de la tristesse. Grand bonheur. J'ai les signes taureau, cancer, gémeaux, lion. Sagittaire également. Ouais, bélier aussi. Ben, c'est vous, les béliers. Il y a de l'action. On y va. On y va, on va en conquérant là. On veut conquérir. Hein.
On va vous observer quand même. Attention, hein. Ah, il y a une personne là. Oui. On va être dans la patience. On va laisser un petit peu notre histoire hein, se construire, se faire pour aller jusqu'à un engagement. Pourquoi on se protège là? C'est parce qu'il y a quelque chose de toxique. Il y a un entourage toxique. Hein. Ouais, et puis, on va vers un engagement. Hein. Légal, hein, pas légal, j'ai envie de dire équilibré, juste, mais j'ai envie de dire, on le, ah, on l'officialise vraiment cet engagement. Je pense que ce sera peut-être pour mettre en place tout le monde là, un entourage, peut-être une femme ou un entourage néfaste. Hein. Ouais. On protège son intuition aussi. Hein. On a l'intuition et puis du coup, on sait qu'il faut se protéger là, d'une personne, qu'il faut protéger sa vie amoureuse. Hein. Ça ne va pas plaire à quelqu'un en fait. Hein. Ouais. On parle de chance, hein, de bonheur, hein, de grand bonheur. C'est bah, l'étoile, c'est... on est sensible aussi. Hein, donc, on fait attention, on se protège vraiment. On parle d'amour sincère aussi. Hein. On sait que c'est sincère. Là, on se dit que finalement, il faut vraiment suivre son intuition. C'est la meilleure chose. Pardon. Oui. C'est ça. Et on veut vraiment cette réconciliation. On revient vers l'autre. Parce qu'on sait en fait qu'il nous manque quelque chose. On a tout, sauf cet amour. Le blocage, c'est que j'ai quelqu'un qui s'est éloigné. Et c'est pour ça, en fait, c'est compliqué. Il faut trouver le courage hein, de retourner, de transformer la situation. Mais j'ai une personne peut-être qui ne sait pas en fait trop où elle va, quel chemin prendre avec vous. Donc, elle est en réflexion. Mais elle va vous écrire. Elle va vous écrire. Elle va suivre son instinct, elle va suivre son intuition. Elle va trouver le courage, et on parle bien, hein, elle va trouver le courage, hein, malgré ses angoisses, de revenir vers vous. Elle a peur, elle a peur. J'entends, elle a fait n'importe quoi avec vous finalement, hein, et à cause d'une tierce. Hein, et on parle bien hein, de triomphe. J'ai une personne qui va déplacer, c'est pas vous, c'est une personne qui va déplacer les montagnes pour vous. Hein. Et on parle bien de victoire. Hein. C'est magnifique. Hein. J'ai noté, hein, en fait. Hein. C'est vraiment... soit c'est vous, soit c'est cette personne qui va déplacer des montagnes hein, pour vous. Hein. C'est vraiment... Bon, alors, excusez-moi, 2 secondes. Donc, cette personne va déplacer. Ok, excusez-moi. Donc, on va finir avec réponse angélique. Donc, soit vous prenez tous les messages de réponse angélique de Dorine Virtu, soit vous faites un choix. Il y aura 3 choix si vous avez vraiment une question précise. Donc, vous faites votre choix ou vous prenez tous les messages également. Vous pouvez faire ce choix-là également. Donc, allons-y pour vous les béliers. Alors... réponse angélique, elles sont là, alors allons-y. Donc c'est super, hein. Donc pour moi c'est cette personne qui va déplacer des montagnes là, pour vous retrouver, hein, pour revenir vers vous. Il va falloir vous protéger tout de même. Hein. Choix numéro 1, pour ceux qui ont une question. Là j'ai un message pour tout le monde. Choix numéro 2. J'ai un message pour tout le monde là. Quand ça se retourne, quand ça c'est pour vous tous.
et choix numéro 3. Ok. Alors, on va commencer par ces messages. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a des grands changements positifs dans votre vie, les béliers. Et là, ce n'est pas le bon moment. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je vais regarder, je vais préciser avec Astro Crush tout à l'heure. Donc, pour ceux qui ont fait un choix. Donc, premier choix. On parle d'équilibre, de compromis, de se mettre d'accord là. Hein. Deuxième choix. On vous dit peu probable. Hein. Ok. Troisième choix, dans un avenir rapproché. Donc, voilà, c'est dans un avenir proche. Hein, et on parle d'un grand oui tout de même. Donc, d'un grand oui pour vous. Hein. Oh, et puis, il y a encore le oui derrière. Hein. Il va falloir vous affirmer. Alors, je vais prendre Astro Crush parce que du coup, là, je vais demander une précision pour ces deux messages. Hein. En tout cas, là, on va trouver un équilibre. On va trouver un compromis pour le choix numéro 1 et dans un avenir rapproché. Et là, pour ceux qui ont fait le choix de tous les messages, hein, ou ceux qui ont fait simplement, on va voir. Déjà, pas le bon moment. Est-ce que je peux avoir une précision? Alors, pour certains, il va falloir peut-être attendre encore. Peut-être que j'ai certains pour les grands changements, ils ne se disent pas le bon moment. On a le bélier. J'ai une personne qui est immature. Qui n'est pas encore assez mature là. Elle n'est pas encore prête pour moi, cette personne. Pour revenir vers vous, les béliers, pour certains. Donc, c'est dans un avenir rapproché. Je pense que j'ai des personnes qui ont demandé si ça arrive très vite. C'est dans un avenir rapproché, mais c'est pas... voilà. Il va peut-être falloir attendre un mois, deux mois. Hein. Donc, c'est surtout ça, on me dit. Hein. Il faut attendre que cette personne soit mature. Hein. Peu probable. Hein. Alors, je ne sais pas c'était quoi, mais en tout cas, on vous dit que cette personne pense la même chose que toi. Pour moi, là, on vous dit, peu probable, vous manquez trop de... Vous manquez de confiance en vous, là, les béliers. Tant que vous manquerez de confiance en vous, en fait, c'est peu probable que... voilà, qu'un truc se passe, en fait. Hein. Il faut vraiment... Alors, pour là, en fait, on vous dit que cette personne vous aime d'amitié, en fait. Peut-être que cette question, hein, on peut vous parler de cette amie qui va vous aider. Peut-être que certains se demandaient, en fait, hein, si elle était amoureuse de vous. Parce que si vous êtes une femme et c'est un homme qui va vous aider, pour moi, c'est une personne du même sexe qui va vous aider que votre autre. Et oui, vous pourriez vous demander vraiment si cette personne n'a pas des sentiments plutôt amoureux ou amoureuse pour vous. On vous dit non, peu probable, elle pense la même chose que vous en fait et elle vous aime d'amitié. Je pense que c'est par rapport à ça. Certains devaient se poser la question, j'ai l'impression. Vous lui manquez, mais pour l'instant, elle n'est pas prête. Il y a, il y a des grands changements positifs qui arrivent. Mais il y a encore un manque de confiance, là. Il y a encore un manque. Il y a encore de l'immature, hein, à présent. Ouais, sur le présent, on vous dit. Donc, mais on a vu, cette personne, elle angoisse. Elle a peur, hein, de revenir vers vous. Hein, parce que bah, peut-être que, bon, bah, voilà, elle n'a pas été... ouais. Et pourtant, il y a une invitation inattendue qui arrive. Donc, vous inquiétez pas, ça arrive. Mais pour l'instant, elle est encore... voilà. C'est pas encore... totalement prêt, parce qu'elle a, elle angoisse. Et je pense que c'est surtout ça, c'est cette personne, hein, qui vous aime d'amitié qui va vous aider. Alors, c'est une amitié, peut-être peu probable, peut-être que vous avez pensé à une personne pour vous aider et c'est pas elle, en fait. Hop là. J'ai encore une personne qui a peur de l'engagement, encore, pour l'instant. Mais elle veut partager des bons moments avec vous.
Elle veut partager des beaux moments avec vous. C'est pour ça, il faudra aller doucement. Donc, voilà, si vous pensez à un engagement rapide, non. Prenez votre temps, là. On vous demande, voilà, il faut laisser le temps hein, également à votre hôte, là, dans cette situation. On va continuer avec... Alors, les conseils du monde, Angélique, on va prendre trois messages. Hein. Donc, pareil, de Michel-Ange Tarot. Trois messages pour vous, les béliers, donc, avec conseils du monde angélique. Et ensuite, on finira avec messages de vos anges de Dorine Virtu. Oui, c'est ça. Et en dos, nous avons clin d'œil. Prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras, ton guide personnel. Nous avons wellness, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, donc je vous montre. Donc c'est W-E-2-L-N-E-S-S. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié, on vous dit. Donc voilà, peut-être que certains ont besoin d'éclaircir leur esprit, voilà, en se relaxant, en prenant un bain, en prenant une bonne boisson, en prenant du temps pour soi en fait, hein, en allumant une petite bougie également. Nous avons évade-toi. Ouais, oui, évadez-vous. J'ai des béliers, vous avez besoin de vous évader et prendre l'air tout simplement, de penser à autre chose. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu, on vous dit, à toi de jouer. Et nous avons motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi-même. Donc voilà pour vos messages. Et on va finir avec... Message de vos anges de Dorine Virtu. Alors, allons-y pour vous, les béliers. Un dernier message pour vous. Ouf. On a Océane qui vous dit « Agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous, on vous dit. » Et vous avez la victoire, on vous dit. Hein. Oméga. Vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Et on revient sur le message, là, sur la personne fausse, hypocrite, le fait de se protéger. Hein. Et nous avons Brigitte qui vous dit, qui vous confirme. Hein. On vous dit, votre vigilance est justifiée. Étudie bien la situation avant d'aller plus loin. Donc voilà les béliers, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre soutien et de votre présence. Un grand merci également pour tous vos likes, vos messages, vos mails. Donc voilà, un grand merci. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.